Ciao a tutti, sono Mattias Pogba, il fratello di Paul Pogba. Faccio questo video in italiano, ma il mio italiano non è molto buono. Quindi chiedo agli italiani di essere comprensivi e di mostrare tolleranza. Nonostante tutto faccio questo sforzo perché sei il primo preoccupato per quello che ho da dire su mio fratello. Se hai difficoltà a capire, puoi fare riferimento alle altre versioni di questo video, in francese, inglese e spagnolo. Ti annuncio che presto farò grandi rivelazioni su mio fratello Paul Pogba e Raffaella Pimenta, il suo avvocato, il suo amico, il suo confidente, quello che oggi chiamiamo il più potente del calcio e che mio fratello chiama sua seconda madre. Per chi non mi conoscesse, sono un calciatore professionista e anche il fratello maggiore del campione del mondo, Paul Pogba, che attualmente gioca alla Juventus Torino, dopo un periodo deludente a Man United. Non credo che tu l'abbia perso con il clamore che circonda il suo trasferimento e il suo patente d'arresto a causa del suo infortunio, per non parlare del suo documentario catastrofico. Quindi, se oggi realizzo questo video e inizio questo processo, è perché credo che il pubblico francese, italiano, inglese, così come i tifosi di mio fratello, e ancora di più la squadra francese, la Juventus, i compagni di squadra di mio fratello e il suo sponsor meritano di sapere alcune cose, al fine di prendere una decisione informata se merita l'ammirazione, il rispetto e l'amore del pubblico, si merita il suo posto nella squadra di Francia e l'onore di giocare nella Coppa del Mondo, si merita di esordire alla Juventus, si una persona affabile che qualsiasi giocatore vorrebbe avere al suo fianco e infine è degno di essere preso come rappresentante e modello dei giovani del mondo, della classe operaria, quartieri e ovviamente dei grandi marchi. Anche quello che imperare su Raffaella Pimenta, ex socio in affari del famoso Mino Raiola, ti permetterà di farti un'idea della sua integrità, della sua professionalità, della sua lealtà e se merita di prendere il posto nel team di Mino Raiola. Questo consentirà ai giocatori della squadra, ai suoi clienti di sapere se merita di rappresentarli e prendersi cura dei loro interessi. E per i futuri giocatori promettenti in cerca di agenti e rappresentanti per i loro contratti futuri, Raffaella Pimenta e il team di Mino Raiola si prenderanno davvero cura di loro e delle loro famiglie e sono opzioni praticabili e interessanti. Penso che quello che ho a dire possa interessare molte persone. Inoltre ti parlerò anche di cose su Mbappé e ci saranno elementi e tante testimonianze a corroborare le mie parole. Tutto questo rischia di essere esplosivo e di fare molto rumore. Inoltre presumo che tu abbia molte domande e che ti stia chiedendo le ragioni delle mie azioni. Tutto sarà svolto a tempo debito, quindi iscrivetevi, convidate in massa, commentate e soprattutto restate sintonizzati. Ci vediamo molto presto. Ciao! Bonjour à tous, je suis Mathias Pogba. Si vous regardez cette vidéo, c'est que mon frère Paul Pogba a trouvé un moyen de me faire taire, soit en s'en prenant à moi, directement, physiquement, soit en tentant de me discréditer en m'accusant de choses que je n'ai pas commises. Peut-être même en trompant la police comme il l'a déjà fait par le passé avec mon cousin. Et cela dans le but de me faire enfermer. Il y a de grandes chances que je ne serai pas le seul, car il tentera de faire taire tous ceux qui pourront le dévoiler, usant de sa célébrité, de son argent
et de ses relations et tous les moyens possibles. C'est pourquoi j'enregistre cette vidéo dans l'objectif que quoi qu'il m'arrive, tout soit révélé et que le vrai visage de mon frère, ce grand hypocrite manipulateur sournois, cet homme mauvais et égoïste, que ce criminel soit dévoilé au grand jour. Ainsi, dans cette vidéo, je vais révéler tout ce dont je vous ai fait l'annonce précédemment. Les masques vont tomber comme R. Kelly, Weinstein et Mandy. Et vous verrez que ce n'est pas beau à voir. Être célèbre ne veut pas dire que l'on est forcément quelqu'un de bien. Personne n'est au-dessus de la justice. Aussi, sachez que je ne voulais pas faire cette vidéo et que si je le fais, ce n'est vraiment, vraiment pas par jalousie. J'aurais voulu ne pas être dans la situation actuelle que je vais vous expliquer et qui m'y oblige. Mais c'est mon frère qui m'y a poussé. Cela car ce petit frère que j'ai aimé est devenu un être malsain et que je ne reconnais plus. Prêt à tout pour arriver à ses fins, se réjouissant et prenant du plaisir à tromper, à dominer, à rabaisser, à humilier et à mépriser les autres. Et en particulier sa famille, sa mère et ses proches. Pardon. Il a dépassé la limite au point de pousser sa famille dans la tourmente et de les plonger dans la tristesse continue, tout en continuant lui à se réjouir et à leur rire au nez. Il a dépassé la limite au point de mettre nos vies en danger, tout en abandonnant à notre sort tandis que lui se mettait à l'abri des dangers qu'il a lui-même créés. Nous avons enduré son mal et son injustice durant de nombreuses années en espérant qu'il changerait, mais il n'en est rien. Mais c'est plutôt de pire en pire. Et notre famille souffre de plus en plus. Plus il travaille à améliorer son image publique, plus son hypocrisie augmente. Et plus il devient un être humain infâme et méprisable. Aujourd'hui, mon frère m'a placé dans une situation où je suis obligé de m'exprimer publiquement si ma famille et moi-même voulons un avenir. J'ai bien conscience que ce sont des graves accusations que je porte contre mon frère, mais une fois que vous aurez entendu mon récit, appuyé par des preuves, des éléments probants et des témoignages, vous pourrez juger de si j'exagère ou au contraire si j'ai minimisé la gravité de cette affaire. Ainsi, cette affaire, les méfaits de mon frère et mon récit s'articulent autour de 5 sujets qui vous permettront de comprendre la réalité de ce personnage et la gravité de la situation. Je vous les résume d'abord avant de tout vous expliquer et de rentrer dans les détails. Alors tout d'abord, il y a la famille et son véritable comportement envers elle. Et la vérité est loin de l'image devant des caméras. Car la réalité est qu'il a tourné le dos à sa famille sans raison. À sa famille qui ne lui a rien fait de mal. Car au contraire, il est né et a vécu dans une famille aimante, soudée, très soudée, qu'il a toujours soutenue et encouragée. Et quand je dis tourner le dos, je ne parle pas simplement de couper les ponts et de faire sa vie. Je parle de quelqu'un qui décide de ne rien faire pour vous, tout restant à proximité et en étant observateur de votre déchéance. S'en réjouissant, attendant que vous le suppliez pour ensuite ou faire des promesses qu'il ne tiendra pas afin d'augmenter votre désespoir. Qui parfois de lui-même vous fera des promesses qu'il ne tiendra pas pour vous faire rêver afin de mieux vous voir tomber. Qui de temps en temps vous donnera des miettes lorsque vous serez à terre, mais jamais assez pour vous en sortir. Pour que vous lui soyez redevable pour mieux vous mépriser et se faire passer pour une bonne personne. Alors que c'est un être qui préfère acheter des bijoux pour des dizaines de millions quand des gens de sa famille proche sont gravement malades et le supplient de les aider à se soigner pour 1/100 du prix de ses bijoux. Quand je vous expliquerai tout en détail, vous découvrirez l'incarnation de la perfidie et de l'ingratitude. Le second sujet est la collusion de mon frère avec le crime organisé. Beaucoup seront choqués et auront du mal à le croire, mais c'est la vérité. Et c'est la raison pour laquelle notre famille et nos proches sont en danger aujourd'hui. Car sachez que mon frère, comme il l'avoue lui-même dans son documentaire, a toujours eu dans son entourage des criminels et des délinquants, et qu'il a encore aujourd'hui. Si ça n'était que de l'amitié, ça pourrait aller. Le problème est qu'il s'est servi de ses relations et de leur nom, d'une part pour se protéger dans la rue, et d'autre part pour faire affaire avec eux dans le but que ces criminels fassent des choses pour lui, et qu'ils fassent couler le sang pour lui. Et je n'étais pas au courant de ses agissements jusqu'à ce que mon frère trahisse ses hommes de main et qu'il s'enfuit sans prévenir personne, nous abandonnant notre sort, ma mère et moi.
laissant sa famille et ses proches devenir les cibles de ces bandits. Certains d'eux, nos proches, s'étant déjà fait agresser et tirer dessus à cause de lui. Et si nous ne sommes pas allés voir les autorités, c'est uniquement par peur de représailles, n'ayant aucun moyen de tous nous protéger, comme mon frère l'a fait pour lui-même. Et il a fallu que je reproche à Paul son comportement pour qu'il daigne éloigner notre mère du danger, s'occupant uniquement d'elle et abandonnant les autres. Mais bien sûr, il l'a fait loger seul, sans aucune protection, tandis que lui est tranquille dans sa forteresse, derrière ses gardes du corps. De plus, cela n'était pas gratuit. Il fallait que ma mère se venge de son côté et plaide en sa faveur, ce qu'elle a malheureusement accepté. Ainsi aujourd'hui, j'œuvre pour la suivi du reste de ma famille et je vous en dirai tout en détail. Le troisième sujet est sa collaboratrice, Rafaela Pimenta, qui aujourd'hui a pris la relève de Milo Raiola, qui avait lui-même succédé à Walid Tanazefti. Or, celle-ci a pris la relève tant au niveau professionnel qu'au niveau de la manipulation. Car si mon frère est devenu ce qu'il est, c'est en grande partie car ces trois, en plus d'une autre personne dont on parlera après, ont particulièrement œuvré à l'isoler pour mieux l'influencer et le manipuler. Faute de quoi le premier Walid a pu tromper mon frère, comme ce fut relaté dans les journaux. Le deuxième Milo, secondé par Rafaela, a pu se gaver sur son dos comme avec aucun autre joueur. Et la dernière Rafaela assure désormais la relève l'aidant, entre guillemets, à gérer ses finances de façon rapprochée. En ayant sa propre chambre chez mon frère et en organisant des réunions nocturnes en usette dans le lit de mon frère. Et quand je dis qu'ils ont travaillé à séparer mon frère de sa famille, c'en est au point que lorsque j'ai appelé Rafa à l'aide car ma vie et celle de ma famille étaient en danger, elle m'a tout simplement ignoré, étant par cela soit complice de mon frère, soit faisant au moins preuve de non-assistance à personne en danger. Ainsi, je vous raconterai comment elle a infiltré notre famille jusqu'à quasiment tout gérer et devenir la seconde mère de mon frère. Le quatrième sujet, avec cette synthèse, vous devez commencer à cerner le personnage et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Car cet individu, appelé mon frère, est devenu depuis de nombreuses années un adepte de la sorcellerie, devenant le suivant d'un sorcier connu comme le marabout Ibrahim, appelé Glandé, un proche de l'ancien joueur Alou Diarra, qu'il aurait connu grâce au joueur Serge Aurier. C'est d'ailleurs de ce sorcier que je parlais précédemment, comme l'autre personne ayant œuvré à isoler mon frère, car les sorciers aiment détruire les familles. Les musulmans comprendront de quoi je parle, et d'autres riront en entendant cela, surtout à cette époque matérialiste. Mais le plus important ici, ce n'est pas ce que vous y croyez ou non, ou si cela marche ou pas. L'important est ce qu'implique cette pratique comme des choses immondes et odieuses, et ce qu'elle révèle comme noirceur intérieure et méchanceté de ses pratiquants. Car, pour les rituels démoniaques, il vous sera demandé, en plus de votre argent, d'accomplir des actes immoraux tels que le meurtre, le sacrifice d'innocents, le viol, la pédophilie, d'abandonner votre famille, de vous en prendre à votre famille et bien d'autres mauvaises choses. Quant à ce que mon frère a fait, tout d'abord, parmi ce qu'il y a de sûr, c'est que des criminels agissant en son nom ont fait couler le sang. De plus, pour les objectifs de mon frère lors de ses pratiques maléfiques, sachez que mon frère à plusieurs reprises a jeté des sorts à ses coéquipiers footballeurs, dont le prodige Kylian Mbappé. Que ce soit par jalousie ou pour gagner une rencontre. Mais nous en verrons plus avec plus de détails et plus de preuves plus loin dans cette vidéo. Ainsi, on arrive au cinquième et dernier sujet, l'islam de mon frère. Et peut-être que là, vous voyez le problème, car l'islam et la sorcellerie sont incompatibles. Impliquant que quiconque pratique la sorcellerie en tant que prétendant être musulman n'est en fait qu'un grand hypocrite. C'est que l'islam nous apprend. Il s'agit d'un mécréant se faisant passer pour un musulman afin de mieux les tromper. Et c'est d'ailleurs ce que souvent les marabouts sorciers demandent à leurs adeptes, prétendent être musulmans pour mieux se cacher, mieux blasphémer et mieux répandre le mal. Ainsi, vous avez vu mon frère instrumentaliser l'islam et à la cause palestinienne pour se faire bien voir et gagner le soutien du monde musulman et des banlieues. Aller à la Mecque afin de bien se faire filmer pour les réseaux sociaux.
pour avoir l'image d'un pieu, lui qui aime fréquenter les lieux des débauches de la nuit. Aussi, vous l'avez vu se rapprocher des gens influents et célèbres dans la communauté musulmane, comme le combattant MMA, Khabib Nurmagomedov. Tout cela alors que, dans le même temps, il avait recours à fond à la sorcellerie. Et si vous doutez, sachez qu'il a reconnu cela et que de nombreux proches peuvent en témoigner, ce que vous constaterez par la suite. Il l'a fait dans le but de nous faire croire qu'il regrettait et voulait changer, voulant surtout éviter que cela s'ébruite, mais le masque n'a pas tenu longtemps, retournant rapidement ses anciennes pratiques d'hypocrite, cherchant à isoler les gens pour mieux les discréditer, en faisant tout pour les faire taire, usant même d'intimidation. Et dans sa riposte, il nous a montré qu'il ne respectait pas aucunement les musulmans et au contraire qu'il les méprisait. Je vous expliquerai également tout ça par la suite. Ainsi, avec ce résumé, les contours et les grandes lignes du personnage sont dessinés. Et vous commencez à voir à quel individu malfaisant vous avez affaire. Bien loin de l'image médiatique qu'il a construit pendant toutes ces années. Comme il le dit lui-même à la fin de son dernier documentaire. Donc à présent, finissons le tableau et rentrons en détail dans les révélations, car il a beaucoup de dossiers à déterrer. Accrochez-vous, car vous risquez d'être encore plus choqués. D'ailleurs, je pense que mon frère lui-même risque d'être étonné que des affaires sombres qu'il pensait être le seul à connaître, lui et son petit comité, soient dévoilées au grand jour. Alors commençons. Mais tout d'abord, rappelez-vous que cette vidéo est une assurance pour m'assurer que s'il m'arrive quelque chose, toute la vérité soit révélée au monde. Ainsi, elle constitue une condensée de révélations brutes où je citerai les faits et les informations à ma disposition, tout en décrivant moi-même les preuves et les témoignages. C'est le manque de temps qui m'oblige à en dire ainsi. Et si le temps m'est donné, je réaliserai une série de vidéos en plusieurs épisodes où je prendrai le temps de présenter chaque preuve et d'inviter tous les témoins et toutes les victimes. Mais tout cela est facilement vérifiable par des enquêteurs. Ainsi, selon le moment de publication de cette vidéo, la série d'épisodes existera peut-être. Maintenant que cela est dit, commençons. Sachez que cette histoire m'attriste car à l'origine nous sommes une famille de 3 frères et 2 cousines que nous considérons comme nos sœurs, avec notre mère qui s'occupait de nous toute seule après un divorce arrivé très tôt. Nous étions une famille très soudée et solidaire, tenant les uns aux autres. Et même avec un peu de moyens, nous étions heureux. C'est une ambiance familiale, sans aucune jalousie. Nous étions fiers du succès de ses membres, et en particulier du succès de mon frère. Depuis l'enfance, nous l'avons soutenu, encouragé, étant heureux pour lui, et triste quand il était triste. Nous avons toujours été là pour lui, prêts à tout pour lui, mais il a oublié tout ça. Enfin, très tôt, nous avons ensemble énormément pratiqué le ballon. Et nous, ses grands frères, étions protecteurs et exigeants. Et l'emmenions souvent jouer contre des joueurs plus âgés, car nous voulions le voir progresser. Et même s'il ne l'avouera pas, mon frère Florentin fut pour lui une grande source d'inspiration, pour apprendre à jouer du pied gauche, et aussi une grande source de motivation, car Florentin fut le premier de la fratrie à signer pour devenir professionnel. C'est peut-être de là qui est née envers nous sa rivalité non réciproque, et son envie constamment de nous dominer sur tous les plans. Nous souhaitons jamais pour nous la réussite, alors que nous tous étions toujours à fond derrière lui. Ainsi, toute la famille était fière lorsqu'il intégra le monde du football, intéressant de grandes équipes. Ainsi, lorsqu'en 2012, assailli de doutes pour son avenir, mais ayant un penchant pour Manchester, c'est moi qui ai convaincu Paul de signer à la Juventus de Turin, ce qui fut la meilleure décision de sa carrière. Là-bas, il acquit ses lettres de noblesse, écrivant une part de l'histoire du football. Notre relation allait assez bien jusqu'en 2015. En fait, jusqu'à là, nos relations étaient assez bonnes, même si elle avait commencé à se dégrader lentement avant cela, du fait de l'influence de ses agents et représentants, avec en tête Walid, puis Mino et Rafaela. Cette dernière qui d'ailleurs eut une relation avec Walid. Ils ont procédé méthodiquement, en s'employant à pousser mon frère à mettre de la distance entre lui et ses amis. Puis l'étape suivante a visé à limiter la proximité et l'influence de la famille, avec pour objectif qu'il n'écoute plus personne, hormis eux, en le faisant croire que les idées venaient de lui. Mais nous comprendrons cela tardivement.
Ainsi, en 2015, ce fut l'année où les choses commencèrent vraiment à changer. Car cette année, il fit de lui-même une montagne de promesses à l'ensemble de la famille des différents pays, lui promettant d'améliorer leur situation, de les aider, de les soutenir et carrément de changer leur vie, suscitant de lui-même l'espoir de ses proches, eux qui n'attendaient pas autant. En passant, il faut savoir que cette même année, il se rapprocha vraiment de son marabout sorcier qu'il connaissait d'avant par le biais de ses amis. Une relation qui dure depuis, chose que nous apprendrons en 2022 par le biais d'un proche qui a participé à cela malgré lui, ce qui fut confirmé par l'intéressé lui-même, mais nous reviendrons dessus plus tard. Ainsi, donc Paul promit de s'occuper de la famille, de prendre soin d'eux, de leur acheter des maisons, de leur financer des business, et pour les plus démunis de la famille, dont nous savons que certains habitent des ghettos et dorment dans des appartements remplis de rats, il promit de les sortir de la précarité. Aussi, il promit à sa famille la plus proche de la faire bénéficier de ses contrats de sponsors, comme celui avec Adidas. En fait, il fit miroiter de lui-même à la famille un avenir d'une famille soudée, radieuse, profitant ensemble de sa réussite. Mais bien sûr, ce fut la désillusion. Comprenez bien que nous ne convoitons pas sa richesse, mais que c'est plutôt lui seul qui s'est mis à faire des promesses à sa famille pour ensuite n'en tenir aucune et les abandonner. Et toute la famille peut témoigner de cela. Témoignage que vous verrez si j'ai la possibilité de faire ces révélations en plusieurs épisodes. Ainsi, en 2016, il intégra Manchester United après un transfert au montant historique, signa un grand contrat avec Adidas et éteint le pic de sa notoriété. Et cela ne put se faire qu'après des tractations houleuses avec son ancien agent Walid Tanazuti, qui après des années d'emprise sur lui, avait réussi à lui dérober ses droits à l'image en lui faisant signer des contrats de cession de droits à son insu. Ainsi, sous la menace d'un sabordage du transfert et du contrat de sponsoring, il a fallu débourser plus d'une dizaine de millions d'euros pour récupérer les droits afin que le transfert puisse se faire. Au passage, Minokia, qui collaborait avec Walid, a pu prendre la relève dans l'emprise et se gaver de plus de d'une trentaine de millions d'euros sur le dos de mon frère. C'est d'ailleurs à ce moment-là que Mino place à Rafaela au plus près de mon frère. Elle qui l'avait déjà travaillé au corps, avec des réunions professionnelles nocturnes en luisette, dans le lit de mon frère, au moins dès 2014, date où nous avons été témoins. 2016 marque aussi un changement du tout au tout. Mon petit frère devient complètement distant et hautain avec la famille, et même avec sa propre mère. Il oublie toutes ses promesses, et quand la famille les lui rappelle, notamment les plus démunis, il fait semblant d'oublier, change de sujet. Lorsqu'il répond, c'est pour finalement refuser d'aider, en rabaissant, humiliant et méprisant les gens. Ainsi, mon frère jumeau et moi-même, avec des moyens bien moindres que notre petit frère, avons essayé d'aider au maximum pour soulager les difficultés de notre famille, assez nombreuses, ainsi que nos amis proches. Ainsi, parmi le cas des promesses non tenues envers nos proches les plus en difficulté, il y a celui de notre tante, la sœur de ma mère, vivant en Belgique, dans les quartiers pauvres, étant handicapée suite à des opérations aux deux genoux, étant dans l'impossibilité de travailler. Alors, lorsque celle-ci lui demanda de l'aide, lui demandant s'il pouvait tenir sa promesse de lui faire vivre dans de meilleures conditions, loin du ghetto, ou au moins de l'aider, il l'envoya balader et au bout d'un moment, il ne répondait même plus à ses appels. Ensuite, lorsque notre cousine, la fille de notre tante, aujourd'hui mère de famille, qui est comme notre sœur, car ayant grandi avec nous dans la même maison, ayant pris soin de nous, l'a imploré de les aider. Il leur envoya au moins 10 000 euros couvrant une fraction de leurs dépenses, entre les soins de santé, le loyer, la nourriture et les dettes. Et lorsqu'elle le remerciait quand même, mais lui expliquant que ce n'était pas assez au vu de leurs problèmes, il lui répondit de façon hautaine qu'il n'était pas sa banque, lui qui porte des montres à 300 000 euros. Et donc, depuis lors, il les a abandonnés, pouvant parfois rouler en Rolls Royce à moins de 15 minutes de chez elle, sans même chercher à prendre de leurs nouvelles. Aussi, ce que vous devez vraiment comprendre ici, c'est le niveau immense d'ingratitude de mon frère envers notre temps direct,
la grande sœur de notre mère, une femme de cœur et de valeur qui a toujours été là pour notre famille, notamment au début, quand nous n'avons rien. Elle nous a assistés tant moralement que financièrement. Et maintenant, vous voyez comment mon frère traite celle qui devrait être considérée comme sa mère. Alors que par le passé, à certains moments, il fut nourri grâce à elle. Et donc, vous comprendrez aisément que cette situation puisse attrister et faire pleurer notre tante. Non pour le manque d'argent, mais pour l'incompréhension du mauvais comportement de mon frère envers elle. Cela sans même parler de notre cousine, de notre sœur, qui prie de nous lorsque nous étions jeunes. En y réfléchissant, je pense que mon frère fait payer à la tante sa franchise, car pour son bien, elle n'hésite jamais à lui dire en face ce qu'il ne va pas chez lui. Ce qui aboutit finalement à lui jeter au visage son hypocrisie, sa méchanceté et son vice. Chose qu'il ne doit clairement pas apprécier. Aussi, prenons un autre cas d'injustice et d'ingratitude flagrante. Celui de notre cousine proche, vivant aux États-Unis, pays où les soins de santé sont excessivement chers. Elle atteint d'une maladie du sang assez rare, le von Willebrand type 2B hémophilia, lui compliquant la vie par des hémorragies internes et externes pouvant survenir n'importe quand sans raison apparente, avec un risque de complications à la moindre blessure ou intervention médicale. C'est pourquoi notre cousine a imploré mon frère pendant deux ans, de l'aider à financer un traitement valant dans les 100 000 euros. Qui lui permettrait de guérir ou d'au moins grandement améliorer sa situation afin d'avoir une vie normale. Et bien sûr, il refusa, prétextant une raison faillacieuse comme quoi cette maladie est héréditaire et donc il ne pouvait pas l'aider. Sauf que oui, ça peut être héréditaire, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des traitements, comme n'importe qui pourra le voir en tapant sur Google. Ainsi, vous voyez, comment au lieu d'assumer son refus, il préféra la balader pendant longtemps, s'amusant à donner des fausses excuses à une proche malade, désespérée, qui attend jusqu'à présent depuis plus de 3 ans ce jour. Vous pourrez peut-être penser qu'il a le droit d'être avare, alors que l'avarice est l'un des pires défauts de l'homme. Qui aime les gens avares? Mais n'oubliez pas que de base, c'est lui qui s'est proposé d'aider les gens. Et leur a fait la promesse et que lorsqu'il n'avait clairement pas l'intention de donner, il balada les gens, laissa les plus désespérés le supplier pendant des années. Cela, alors qu'il n'hésite pas à offrir des Rolex ou des bagues en diamant valant des centaines de milliers d'euros à l'ensemble de son équipe de foot, composée de gens n'en ayant pas besoin du tout, car eux-mêmes déjà extrêmement riches, tandis que la famille à qui il doit la vie est dans la situation totalement inverse. Aussi, dans la version longue, en plusieurs épisodes, vous aurez droit à tous les témoignages de la famille. Surtout que j'ai moi-même bénéficié de son mauvais traitement lorsqu'en 2017, je fus blessé au tendon d'Achille. Me retrouvant sans contrat, sans revenu, sans économie, mon argent ayant servi pour la famille. Et évidemment, il ne m'apporte aucune aide, bien que connaissant ma situation. Mais par contre, il ne se priva pas de chercher à me rabaisser à la moindre occasion, moi son grand frère. Sachez aussi qu'en 2018, la famille a dû faire bloc pour l'obliger à nous obtenir des places pour la Coupe du Monde. Autrement, aucun membre de la famille n'y aurait assisté, chose qui ne l'aurait pas dérangé, ce qui témoigne encore d'un manque d'estime pour sa famille. Et cette année 2018 fut vraiment difficile pour la famille, car plusieurs membres, dont ma mère, nos tantes et d'autres proches, ont connu différents problèmes et eurent des problèmes financiers, n'arrivant pas à payer leur loyer, se nourrissant difficilement et se retrouvant systématiquement à découvert. Ainsi, mon frère jumeau et moi avons fait ce que nous pouvions jusqu'à nous mettre nous-mêmes en difficulté. Et quand on demandait de l'aide à Paul, aussi minime qu'elle puisse être, soit il nous prenait au mot, qui premier degré, pour bien se moquer de nous en nous donnant que très peu, soit il nous snobait et nous ignorait complètement. Ainsi je demande, est-ce normal d'agir ainsi envers sa famille? Et encore plus envers sa mère,
qu'il présente aux médias comme un modèle, une inspiration, une personne vraiment importante pour lui. Évidemment que non. Mon frère est une personne qui ne pense qu'à lui, qui ne souhaite pas que sa famille réussisse, allant jusqu'à vous dissuader de vos projets, de vos idées, pour ensuite se les accaparer. Comme lorsque notre frère Florentin a proposé l'idée de créer la marque Pogbans, dans le but qu'elle soit exploitée par les trois frères, et qu'il a refusé, prétextant que ce n'était pas une bonne idée, pour ensuite aller lui-même déposer la marque à son nom, derrière nos dos. Ainsi, si vous allez à l'INPI, vous trouverez la marque à son nom seul, ce qui nous a montré et prouvé qu'il voulait être le seul à exploiter le nom et la marque Pogba, qui, n'oublions pas, est le nom de nos ancêtres. Il est également quelqu'un de cupide et tellement avide qu'il essaiera, malgré toute sa richesse, de vous prendre le peu que vous avez. Comme quand nous décidâmes à trois d'acheter une maison pour notre mère en SCI, pour Société Civile Immobilière, chacun mettant selon ses moyens. Alors tout d'abord, il laissa mon frère jumeau faire un prêt bancaire à intérêt, bizarre en tant que musulman. Ce que Florentin fit, car sans quoi Paul se retirait du projet. Et avec tout ça, plus tard, il essaya de nous forcer à signer des papiers pour nous évincer complètement. Nous envoyons même ses avocats pour prendre le contrôle de la SCI, devenant ainsi le seul propriétaire. Prétextant que puisqu'il était le plus grand contributeur, il pouvait révoquer nos droits comme bon lui semblait, comme si nous n'avions jamais investi. Voilà qui est mon frère. Il ne se rétracta à la fin qu'après avoir reçu une opposition ferme, et nous étions déterminés à aller jusqu'au bout, quitte à affronter les tribunaux et à rendre public l'affaire. Dès lors, il chercha à nous amadouer en voulant bien nous consentir un prêt. J'ai bien dit un prêt, afin qu'on puisse aider la famille qu'il avait lui-même promis d'aider. Aussi, il a tellement de choses à dire sur son lot d'arrogance et de manque de respect, même envers sa propre mère, que je suis obligé de sélectionner. Et son comportement est tellement flagrant d'injustice que plusieurs footballeurs pros lui ont déjà parlé de cela. C'est une chose qui commence à se savoir. Mais il n'en a qu'à faire. Et là, je n'ai même pas parlé de son indifférence et de son mépris envers notre famille en Afrique. Lui qui a dû être menacé par le gouvernement d'être interdit de territoire s'il n'allait pas en Guinée pour un événement organisé de longue date, où il avait accepté d'aller pour tenter de désister quasiment la veille de l'événement. D'où son dernier déplacement là-bas. Et lorsqu'il séjourna en Guinée, il a pu voir la situation difficile de la famille et repartir comme si de rien n'était, sans faire aucun geste pour eux. Lui qui prétend aider l'Afrique, tout comme il a prétendu aider les démunis dans les rues de Manchester dans son documentaire. Alors que son ancien chauffeur, bras droit et ami d'enfance, qui restait près de lui plus de 6 ans, ne l'a jamais vu faire cela, ne serait-ce qu'une seule fois. Ainsi, à la fin, je n'arrive à penser que mon frère a honte de ses origines, de sa propre famille. Et c'est pourquoi dans son documentaire, hormis notre mère, mon frère et moi, aucun autre membre de la famille n'est présenté. Et pourtant, ils étaient bien là à l'image. Je dis cela, et même nous, ne sommes apparus que très peu à l'image. Bien moins que le taux d'apparition de son avocate Rafaela et de son agent Mino. Aussi, ce manque de respect et de piété filiale est la raison pour laquelle certains membres de la famille ne lui adressent plus la parole depuis très longtemps. Maintenant, vous devez commencer à y voir plus clair sur Paul Pogba, sur comment il s'est construit une image de lui-même et de sa famille totalement fausse pour tromper le public. Vous pouvez commencer à voir comment les seules choses qui lui importent sont de préserver son image, de gagner de l'argent et d'en dépenser le moins possible. Cela valant à ses yeux bien plus que sa famille. C'est triste. Avec tout ce qui vient de vous être expliqué, il est facile de voir que mon frère a perdu tout sens commun. Les limites ont été dépassées depuis longtemps. Malheureusement, nous, sa famille, n'avions pas le recul nécessaire pour nous en apercevoir à temps. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant que mon frère ne bascule complètement du côté obscur.
Ce n'est que lorsque les conséquences négatives de ces actes ont commencé à nous atteindre au point de mettre nos vies en danger que nous avons réellement compris dans quelle impasse nous nous trouvions. Puis mon frère s'est impliqué avec des gens très dangereux du crime organisé et nous, sa famille et ses proches, avaient tous été impliqués et que mon frère était bien décidé à nous laisser dans ce bourbier. Car voyez-vous, lorsque vous grandissez en banlieue populaire, il est presque impossible de ne pas avoir en son entourage des amis, des connaissances qui ont basculé dans la délinquance, voire dans la grande criminalité. Et nous, notre famille, et donc mon frère Paul, n'échappe à cette règle. C'est pourquoi dans son reportage, il dit qu'il connaît des gens en prison et qu'il en a connu d'autres qui sont morts du fait d'avoir pris ce chemin. Ainsi, c'est normal pour un jeune de banlieue d'avoir ce type de fréquentation et de connaissances. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous êtes issu de banlieue, tout en étant riche et célèbre, et que vous voulez être en sécurité, vous n'avez pas beaucoup d'issues. Soit vous quittez le quartier pour ne jamais revenir en vous assurant qu'on ne puisse jamais accéder à vous, ce qui est difficile face à des gens déterminés, dangereux et possédant de grands moyens et des contacts qui, grâce à Internet, peuvent savoir n'importe quand à quel endroit vous êtes et qui, avec les moyens modernes, peuvent se déplacer facilement dans le monde. Soit vous montrez que vous vous sentez redevable envers le quartier qui vous a vu grandir et vous décidez de rendre l'appareil, en faisant bénéficier les habitants d'une grande part de votre réussite, de sorte à ce qu'ils vous aiment, ce qui implique d'aider vraiment, de rester humble et de montrer que vous n'avez pas changé, ce qui fera que les gens vous aimeront, vous respecteront et iront jusqu'à vous défendre car vous ferez partie des leurs et que vous êtes de la famille. Queste erano le dichiarazioni del fratello maggiore di Pogba, Mattias Pogba. La prima parte, come già ampiamente detto, era praticamente un video di qualche settimana fa dove lui stesso andava ad anticipare, o perlomeno andava a cominciare a dire qualcosa su quello che sono state poi le dichiarazioni che appunto abbiamo visto sul fratello per conto del fratello. Quindi storie di stregoni, di malavita, di mancata assistenza alla famiglia, una serie di accuse anche abbastanza pesanti. Non voglio entrare ovviamente in questa faida perché noi da juventini abbiamo già ampiamente i nostri problemi e purtroppo li sappiamo. La seconda parte è in francese, la prima parte è in italiano, si è sforzato di parlare in italiano, nella seconda parte è in francese, i sottotitoli sono stati generati automaticamente, mi rendo conto che alcune volte non sono abbastanza chiari, però insomma il senso comunque si capisce. Detto questo, io vi ringrazio per aver seguito il video, mi raccomando, è importante l'iscrizione al canale, così come è importante la campanella attiva per essere avvisati nel momento in cui vengono postati dei nuovi video, nel momento in cui viene fatta una nuova live. Come ho già detto altre volte, la percentuale dei non iscritti che guarda il mio video è un po' troppo alta, cerchiamo di abbassarla, ovviamente con le iscrizioni. Detto questo, fino alla fine, sempre solo, forza Juve!